ordinaire, mais du fait qu'il soit constitué d'une manière assez spécifique. Le plus important, ce qu'on peut dire sur leur rôle, c'est de mettre l'ennemi en insécurité aussi. C'est comme vous le constatez, en fait, nous avions un sérieux problème. D'abord, c'était la réorganisation. Actuellement, il faut générer des unités et il faut les équiper. Et équiper, comme vous pouvez le constater, la puissance de feu de l'ennemi a beaucoup augmenté sur le terrain. Son équipement aussi est en train de se moderniser au fur et à mesure. Il faut que nous passions à une échelle assez importante. Donc, il y a beaucoup de choses en cours. Voilà, grâce au vaillant peuple burkinabé, je pense qu'il y a beaucoup de choses en cours. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. Mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir. C'est un montage, on espère qu'il va rentrer en service dans peu de temps. Moyen terrestre, il y a beaucoup de choses à venir, notamment les blindés qui doivent participer à la protection des hommes. Il faut qu'on acquiert ça en grand nombre quand même. Et beaucoup d'autres choses en termes d'infanterie, d'artillerie et d'aviation. Les partenaires, il faut dire, les nouveaux partenaires, oui. Sinon, nos partenaires, nos anciens partenaires, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de quelqu'un. On se débrouille en Burkinabé. C'est normal que des gens puissent se décourager, mais moi, en tant que premier responsable, je n'ai pas ce droit. On ne peut pas se décourager. Nous avons une mission. Si j'étais l'ennemi aussi, géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc, vous voyez qu'il y a une convergence des terroristes vers le Burkina. C'est logique. L'objectif, c'est de nous faire plier, parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Donc, c'est un peu l'effet. Donc, c'est normal que l'activité terroriste s'intensifie, mais l'idée de nous disperser, disperser nos forces, nous empêcher de nous réorganiser, non. Il faut qu'on reste serein, qu'on puisse s'organiser pour faire face. Sinon, si on doit suivre le rythme de l'ennemi, on restera dans la même chose que dans les années antérieures. À courir à gauche, à droite, on ne pourra jamais se restructurer, constituer des unités en mesure de combattre. Donc voilà un peu la dynamique. Et les gens doivent comprendre que ça n'est pas se décourager. Voilà. Ils doivent être fiers plutôt. Parce que tout ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment toute souveraineté, quoi. D'abord, je crois que c'est une loi qui a été votée en juin, non ? Mais bien avant, ça avait commencé à s'appliquer au niveau des boissons et beaucoup d'autres produits. Cette fois-ci, il y a eu la téléphonie et un bon nombre de produits, en tout cas. Il faut dire que peut-être qu'on a manqué le devoir d'expliquer, voilà, en loin et en large, à la masse populaire. Mais la masse, on va rattraper, on va les expliquer pourquoi. Mais aussi, ceux qui veulent récupérer ça, c'est un faux problème. Parce que d'abord, est-ce qu'ils ont proposé une seule banque qui finance notre guerre? Il n'y en a pas. Vous n'irez nulle part dans ce monde-là pour demander de l'argent, pour payer l'équipement, pour financer notre guerre. Même ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc, qui va nous financer? Alors, c'est le peuple qui fait sa guerre. Donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc, toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc, on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils comprennent. Mais ça va venir. J'espère qu'on se comprendra. Ce n'est pas uniquement les trucs de téléphonie. Il y a des taxes sur d'autres produits. Et c'est ça qui contribue à permettre l'entraînement de ces hommes. Ça coûte cher. Parce qu'il faut les entraîner, il faut qu'ils soient préparés. Pour qu'on ne connaisse pas les mêmes situations où, voilà, certes, on peut souvent perdre, mais on ne veut pas que les équipements spécifiques, voilà, soient détruits sans avoir accompli la mission pour laquelle on a payé. Donc, on doit suer, on doit transpirer, parce que si on veut faire cette guerre, c'est nous qui la finançons. C'est comme ça, donc, on ne peut que féliciter notre population qui a compris, les encourager à continuer de tenir bon, et voilà. On aura une armée forte, c'est l'objectif final.